Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction FR, le seul et unique show dans la francophonie où est-ce qu'on regarde des clips, on analyse puis on commande des clips, des nouveaux clips qui apparaissent sur YouTube, des fois des moins nouveaux, mais habituellement c'est des nouveautés. Et puis aujourd'hui, on y va avec un clip populaire, c'est-à-dire qui est dans les tendances YouTube. Aussi, c'est un clip qui m'a été demandé en demande spéciale sur ma page Patreon, parce que quand vous vous abonnez à ma page sur Patreon, eh bien, je fais des demandes spéciales pour vous, que ce soit n'importe quoi. Quand j'ai le temps, je l'ai fait. Et puis aujourd'hui, ben, je vais faire pour un de mes Patreons justement le clip de Natacha Saint-Pierre, Viens, sois ma lumière. Et puis, je connais pas beaucoup Natacha Saint-Pierre. C'est une chic, c'est une chanteuse là, qui vient du Nouveau-Brunswick. Un peu comme des chanteuses populaires. Je connais pas beaucoup ça. Sauf que, bon, ben, c'est de la musique. Puis, habituellement, Natacha Saint-Pierre a une bonne réputation pareil pour faire de la bonne musique. Fait qu'on va jeter un œil là-dessus, puis comme je vous dis, je connais pas ça du tout, cette seule musique-là, et je le fais pour faire plaisir à mon Patreon qui me l'a demandé en spécial. Fait qu'on y va, Natacha Saint-Pierre, viens, sois ma lumière. Tes pas et les graines de l'amour semées sur tout ton parcours. Tu as donné tant de joie et livré tant de combats autour et au fond de toi en entendant cette voix. Mauvais, vraiment, le refrain est très bon, elle a une superbe belle voix, l'esthétique vidéo, une belle réalisation feutrée. Si vous êtes nouveau aussi sur ma chaîne, ça va arriver des fois que je vais couper parce que justement, c'est un clip de réaction, on fait des commentaires, tu le quittes. Puis vu que c'est Natacha Saint-Pierre, probablement que c'est vous êtes nouveau sur ma chaîne, donc ce qu'on va faire, liste de vidéos critiquées, vous allez sur ma chaîne, vous allez, puis j'ai une liste de vidéos critiquées, puis vous, toutes les vidéos que je critique, j'ai mis sur cette chaîne-là, donc vous avez accès directement. Tant de beauté en tes yeux, que tu reflètes de Dieu, c'est le fruit de ta prière, si fidèle sur la terre. Les rides sur ton visage, la force du témoignage, tu es allé jusqu'au bout, tu as aimé malgré tout. Ça, c'est le genre de chanson, là, tu sais, c'est une belle chanson, tu sais, c'est pas mon style à moi, personnellement, mais c'est une belle chanson. Mais ça, là, ça prendrait un genre de remix trance, là, refait par Armin Van Buuren ou DJ Tiesto, puis ça serait vraiment malade dans la tête. Tu sais, c'est le genre de tune, là, vraiment, là, qui, si t'ajoutes un beat, là, avec de la musique un peu électronique, trance en arrière, avec des keyboards, là, puis une bonne orchestration, là, ça ferait vraiment une bonne tune, ça pourrait, ça serait fort, là. Sourire au moins que rien, et ouvrir tendre une main, pouvoir aimer jusqu'au bout, pouvoir aimer à genoux, tu rêvais d'un autre monde, d'un lieu où l'amour abonde, Teresa, Teresa.
Dans son kit blanc, me fait penser. C'est une niaiseuse de même, me fait penser à Gilliam, l'actrice Gilliam Anderson dans The X-Files. Toujours le même combat, pouvoir donner de l'amour à tous ceux qui nous entourent. Viens, sois ma lumière, juste une prière. Sois ma lumière, juste une prière. C'est pas mauvais, c'est une bonne petite chanson pop. Comme je dis, ce serait une chanson parfaite là, pour faire un remix trance, là. Un remix là, un peu avec Armin van Buuren, quelque chose en genre, là, où est-ce que y a, Armin van Buuren va faire souvent du vocal trance avec des voix féminines de même. Donc ça serait vraiment, ça pourrait vraiment faire une très bonne chanson. C'est un petit peu comme la toune enchantée au début des années 2000, là. Fait que ça pourrait de faire quelque chose assez facilement de même. Mais en même temps aussi, les paroles sont bonnes. C'est très religieux, là. C'est très spirituel comme chant, comme parole. Ça a l'air d'être un peu pensé. Ça parle de prière un peu. Ça a l'air d'être un peu. Une communication avec un dieu ou je sais pas, tu sais, je suis pas dans sa tête, puis tu sais, je connais pas là, la biographie de notre cher Saint-Pierre, je connais pas ses croyances, mais tu sais, comme toutes les couleurs sont belles, puis appel de lumière, puis de prière, fait que tu sais, peut-être qu'elle envoie aussi un message à ses fans de dans le fond, de s'agripper à la vie. En gros, c'est ça. Fait que c'était ma petite review de Natacha Saint-Pierre, Viens, sois ma lumière, qui est une excellente chanson pop. C'est pas mon style, mais j'ai pas haï ça, mais pas du tout. Puis c'est une chanson qui a beaucoup de potentiel pour faire des remixes. Je sais qu'il n'y aura pas de remix de Natacha Saint-Pierre, là, mais c'est quelqu'un qui tomberait là-dessus puis qui aurait trouverait le bon moyen de la remixer, ça pourrait faire une bonne toune, là. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce bleu. Aussi, vous pouvez vous abonner. La petite cloche ici, ça, c'est pour recevoir des notifications. Et n'oubliez pas aussi, j'ai un Patreon. Si vous voulez que je fasse des demandes spéciales, des choses de même, eh bien, vous avez qu'à me contacter via mon Patreon. Eh bien, c'était Réaction FR. Et je vous souhaite une belle journée.